Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Gvar qui est un FPS rétro qui me fait pas mal penser à du Half-Life et du Portal. Le côté Half-Life se retrouve dans le visuel, le gameplay et certains outils que l'on va utiliser, tandis que le côté Portal se retrouve dans l'humour qui est discret mais qui est quand même bien présent. Il va y avoir des références à Portal dans les dialogues, on va reconnaître le ton d'un personnage qui rappelle pas mal un autre de Portal et la description sur la page Steam pourrait vraiment être directement tirée d'un dialogue sur Portal. Hein, voilà. Alors, dans le jeu, on est dans un laboratoire tchèque. Dans les années 80, on a été recruté pour faire des tests, on décide de s'échapper et la baston démarre. Voilà. Allez, vous êtes prêts? En avant. C'est parti. Alors, le jeu a l'air assez linéaire, du coup je ne l'ai pas encore testé, on va faire la découverte ensemble. Et petite anecdote, dans ces cas-là, je fais l'enregistrement de l'introduction après celui de l'épisode, comme ça je sais au moins de quoi je parle quand je vous le présente. Et je vois quelque chose au sol, c'est une clé à molette pour ouvrir la porte, et voyons voir... Ah, c'est toi qui fais ce bruit? Ok, on m'espionne, bye bye. Et voyons voir s'il y a de bonnes choses dans les cellules. Alors ça, c'est sombre, est-ce que j'ai le droit à une torche? Ouais, avec F. Alors, j'espère qu'elle ne fonctionne pas avec des piles, vu que le jeu a l'air assez sombre. J'ai pas envie de me balader dans le noir, parce que je suis peureux, et je sais pas si ça va tourner en truc d'horreur, là. Cet endroit a l'air un peu flippant. Ah, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Alors, à nouveau, rien. Je peux casser ça. 1, 2... Non. Un petit poster. La porte ne s'ouvre pas. Ok, on va de l'autre côté. Attention. On m'espionne encore. Ah. Hop, bye bye. créature. Alors, le gars avec la combinaison et la petite créature me font vraiment penser à du Half-Life, là. Surtout avec... style visuel. Ah, c'est quoi ça? Pam, pam, ok. Je joue avec des boules. Ouais, ça c'est probablement un log, ouais, voilà. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez le lire. C'est en anglais, je vais pas le traduire. On peut pas activer l'alarme. Oh, je me demande si ça, ça peut étourdir les ennemis. Voilà, attention, vous êtes prêts? Ah! Ok. Pistolet. Vraiment, ouais. Je m'attends carrément à voir le logo de Half-Life dessus. Ah. Combien j'ai 12 balles. Ça, c'est quoi? C'est du scotch ou c'est un boulon? Ça a l'air d'être un gros boulon. Alors. Oh, tu m'as fait peur! Tu sors d'où, toi? Et un casque? Plus d'armure. Oh, j'ai perdu des points de vie, du coup. D'accord. Alors, ils me disent d'aller à droite, donc on va aller à gauche, bien entendu. Ah, ouais. L'endroit tombe en ruine. Oh, ouais. Est-ce que je peux le tuer avec... 2, 3... 4, parce que je crois qu'il a contré un coup. 4 ou 5 coups pour le tuer. Parce que combien de balles il m'en reste? 4. Ah, un autre pistolet. Ah, 2 de munitions. Alors, j'espère qu'on a des bonnes choses dedans, dans les casiers. Non. Munitions, d'accord. Petite munition, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de munitions. Logique. Ah, ça me soigne. C'était du pain tranché. Ok. Je m'attends à avoir un ennemi qui sort genre de là. Non. Ok. On va aller de l'autre côté alors. Ah, petit soin. Ah, j'aurais peut-être dû attendre avant de ramasser. Je sais pas combien ça redonne de points de vie. Je me dis logiquement 5. Oh, j'ai pas assez de balles pour vous, donc on va y aller avec la molette. Ah. Bon, ça, c'est pas trop difficile à les éliminer là. Mission. Ah, je peux ouvrir ça. Ouh, ça m'a donné 16. Oh, y'a pas d'autre poubelle du coup. Ah, merci. Ah, génial. Du coup, je me demande si j'en ai raté. J'ai
J'ai pas besoin de ramasser, j'ai juste besoin de marcher. Oh. Là, j'ai été attaqué. C'est tout seul, alors j'espère que tu vas pas me brûler. Voilà. Ah, ça brille, mais je peux pas le ramasser. Je peux pas remplacer ma clé à molette. Vraiment, ouais, ça me fait penser à Half-Life. Hein. Les combinaisons, les bonhommes. Clé à molette à la place du pied de biche. Mais qui est rouge, noir, donc... Elle était rouge noir, hein, je pense, dans Half-Life. Un petit doute là, mais... Ah, ça sauvegarde. Oh, ok, marrant. Oh, le petit bruit à la fin, il m'a fait... J'ai cru que c'était une mine, du coup. Oh, tu m'as fait peur. Ouais, je sais pas quel côté. Ah, il y a un cul-de-sac. Ça a l'air d'être un endroit avec des ennemis, ça. Ok. Un baril explosif. Oh ! Oh, lui, il a pistolet, lui ! Tu m'as eu une fois et c'est tout. Ouais, par contre j'ai utilisé quelques munitions et je les récupère pas super vite. Hein. On a vu ce qu'il y avait. Oh là là, il y a un autre endroit avec des ennemis là. Merci pour les munitions. Donc les ennemis deviennent petit à petit plus difficiles, vous avez vu? Ah, munitions. Soit on est bon, on va garder, de toute façon je peux le ramasser, non je peux le ramasser. je dois aller te cacher. Ah, ça c'est pas de l'explosif je pense, hein, ça a pas la même couleur. Ok, oh. Okay, ils m'ont pas touché. Ok. Économisons les balles quand on peut. Surtout quand c'est des gars qui attaquent en mêlée. Alors s'il y a des ennemis là, ça veut probablement dire que là... Non, c'est pas le passage secondaire. Ah, on revient là où on était. Ah, ça c'est sûrement pour se soigner. Ok, moi ça me coûte pas de sous. Distribution gratuite dans la boîte. Le bouton est là, je pense. Einstein. Oh! Oh! Ok. Par contre, j'ai que 15 balles, donc on va rester avec ça. Munitions. Retourne. Ok, ça, je vais pas claquer des balles sur ça. Si je peux... Ah, il m'a touché. Ah. Ça m'a surpris un peu, là. Ok, donc... Quoi, ça? Ah. Okay. Ok, on va faire monter la facture d'eau du laboratoire. Quelque chose qui m'a bloqué. Ah, purée, ok. Ah bah je vais pouvoir... J'ai perdu toute mon armure et les points de vue. Faut faire gaffe à pas se faire coincer en fait. Ouais, ça le danger d'y aller en mêlée. Alors vous n'avez rien fait tomber. Ah si, un peu de bouclier, c'est déjà ça. Ok, ça m'a quasiment rien redonné. Ah, je vais y aller avec le pistolet maintenant parce que je veux pas perdre des points de vue pour rien. Là je commence à avoir un peu de balles, on a 44 balles au total. Je suis censé aller où là? Oh. Ouais, ça a tombé vite.
Non. Non. Purée. Ok, j'ai déjà... J'ai perdu pas mal, c'est quoi ça? Ah, un autre. Je vous laisse mettre pause pour lire, je vais pas lire ça. Ah, il m'a donné le password, hein. 1, 2, 3, 4. Password de quoi? On va lire. Ah, ferme la porte, le password de la porte. Ah, donc il y a des choses utiles, c'est pas que du lore. Alors, on a toi. Ah. Je referme pas derrière moi. Ok, soin, ça c'est top. Ok. Un petit peu d'armure. C'est ça? Ouh, plus 43 d'armure. J'espère que la musique n'était pas copyright. Je suis pris pas mal de copyright ces derniers jours. Pas les copyright strike, mais copyright claim. Les claims, ça pose pas de problème à la chaîne, mais bon, ils monétisent toute la vidéo parce qu'il y a genre 10 secondes de musique. Voilà, donc ils gagnent 100% des revenus sur la vidéo. Tandis que, oula, que le strike, c'est 3 et la chaîne est effacée. Alors, oh, il y a des munitions par terre. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est... Oh, oh. Oh, du calme, du calme. Eh, c'était hyper bourrin, ce coup. Ah, ok. J'ai perdu les vies et l'armure que j'ai récupérée. Déjà, pire, le jeu est dur, hein. Bon, ça va, j'ai récupéré des vies. Au moins, ils sont pas trop radins sur les medkits et la nourriture et tout cela. Oula. Ah, ok, alors vous. Je me dis, il faudrait peut-être continuer vers là-bas, donc on va aller. Ouh, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire, mais. Non mais, hé. Je rigole. Ah, vraiment? Non, 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 non. Il est où le drone? Ah, c'est toi le drone. Ouh. 22 points de vie. Merci. Ah. Munition. Il n'y avait pas un autre chemin, hein. Je ne me rappelle plus trop. Ah oui, voilà, ok. Ici. Non, ok. On passe. Eh, c'est pas mal, ouais, la verticalité du stage. On est passé là-bas. Enfin, on était en bas, on est monté en haut, puis on repasse par là. C'est pas mal. Ah, ok, là. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais le bruit du drone par moment me fait maintenant vraiment penser à... Comment il s'appelle le personnage dans Portal? Mince, le robot. Ah. Non, les tourelles, pardon. C'est les tourelles, oh, voilà. Ça me faisait penser au bruit des tourelles, voilà. Chercher. Je suis descendu, non, je suis pas descendu de là, hein. C'est un autre endroit. Ah, ça... Non, c'est la tourelle. Y a pas un...
un truc de soin que j'ai pu oublier. Ce que ça... non, on est au max en soin, maintenant, sur de l'armure, en fait. Où est la porte, là, la grande... Ah, là. Pourquoi est-ce qu'on a... Je vais pas les ramasser et les jeter, hein. Est-ce que je peux attirer les ennemis là et... Ouais, ouais. Ok. Ok. Venez, venez. C'est celui qui tire à distance que je vais surtout éliminer. Voilà. Quelqu'un a tiré sur cette... Ah non, j'ai cru que c'était des impacts. C'est juste un reflet, hein. Ou la saleté, je sais pas. Il y a deux chemins. Ok. Rien du tout. Même pas... Il y a rien. Il y a pas un truc à ramasser, hein. Alors. Pas besoin de sous en tout cas pour le moment, mais c'est bon à savoir qu'il y en a là. Ok. Pas d'armure. Ah, merci. Sauf... Ouais, je m'attendais à une attaque quand j'ai vu la sauvegarde. Ici, qu'avons-nous? Rien du tout. À la gauche, du coup. Parce que je suis un rebelle. Radio. Non, on peut pas ouvrir ces casiers. Ou tiroir. Ah, ça, je trouve vraiment bizarre les pièces où il n'y a absolument rien. Enfin, juste ça, quoi. Je me dis que c'est rare que de faire un endroit où il n'y a rien à looter, rien à combattre, rien à activer. Enfin, dans les jeux vidéo, je veux dire. Faut que j'utilise un, 2, 3 pour passer plus rapidement. Là. Ah, je crois que... Non, ah, ok, c'est bien. Ouais, bizarre. Ah, ok, changement de stage. Ah. Bon, ok, on va économiser les balles. Ok. J'ai 26 balles. J'ai l'impression d'être passé par là, non? Ah, petite munition. Oh. Ah. Ah. Ah, je me suis trompé. Ok, je crois qu'on a... Ouh. Je crois qu'on a zoné. Ah, est-ce que j'ai envie... Ouh, shotgun. Il y a quelque chose, hein. Est-ce que j'ai envie d'utiliser ça? Je crois que je vais devoir l'utiliser parce qu'on va quitter cette... Enfin, bon. Shotgun, 4 balles. On le recherche comme un shotgun, ça c'est cool. Je vais avoir au moins 6 armes, donc au vu de... Ouais, de ce qu'il y a en haut, là. Là, oh oh. Ah 2 balles. Il doit avoir un point faible, alors. Oula, ça... Ah! Ok, pourquoi j'ai pas pu la voir rapidement, lui? Ok, un soin, je me rappelle que l'autre soin que j'ai laissé est derrière là. Ah là, ok. Derrière la zone, et je sais pas si je repars et je reviens, si je vais...
pas faire réapparaître les ennemis. Donc un coup de bâton, ça a l'air de faire mal au drone. Quoi ça, c'est un truc de soin? Ah, pas là. Ok. A l'air d'être où il faut aller de toute façon. Ok, on va tester le shotgun. Non, c'est pas le shotgun ça. Ça fait mal, mais c'est des balles précieuses, donc on va les garder. Balles précieuses, hein. J'ai dit précieuses, pas précieux. J'espère. Pas là qu'il faut aller, donc c'est là que je dois aller. Petite plante perdue dans le... Ok. Et toi? Il a résisté, j'ai dû pas le toucher avec tous les toutes les balles. Non? Oh mince. Rien. Rien ça. Munition pour la mitraillette, c'est quoi ça? Ouh, ok. Personne attaque, ok. Ah, je crois que c'est un autre zoning. Non, même pas. Allez. Oh. Oh, là, ça rigole moins, là. Je pense que j'aurais pu économiser les balles de shotgun, mais... Tu me touches. Tu me touches alors que je peux même pas te voir. Oula, ok, alors on va retourner en arrière. Je me rappelle du soin. Voilà. Ah, et il y avait une boisson également. Ok. Ouais, lui il a un meilleur angle que moi sur l'attaque, ce qui je trouve est un peu injuste, mais... Bon, ça a pas mal de munitions pour toi. C'est une bonne idée de les utiliser. Ah oh purée. Ok, là, ouais.
Ouais. Ok. Ok, c'est tendu quand même, hein. C'est pas pour dire, mais... Ah, c'est une caméra. Ok. Ok. Bon, ça c'est facile à éliminer. Ah, il arrive. Le gars, il m'attaque dans le dos, lui. Il m'attaque dans son dos, je veux dire. J'ai plus de ça. J'aurais dû utiliser ça, mais j'ai pas pu bien me positionner. Ok, c'est bien ce que je pensais. Il y en avait au moins deux. Une mine, voilà. Non! Oh, c'est chaud! Ok, alors je recommence. Oh, purée. Ok, je recommence là. Ok. Ok, même avec un deuxième essai, j'essaie d'être un peu plus bourrin, mais bon. On va se passer de la boisson là-bas. Ok, ça c'est bon d'être plus bourrin sur eux. C'est pas là qu'il y avait le bouton, non? Si je me débarrasse des caméras, est-ce que les ennemis ont... Sûrement libérer d'autres ennemis, ouais. Moi, tu résistes à un coup de shotgun en... Ah, il y a trois boutons. Ok. Ah bah c'est ça le troisième, ok. Ça me fait perdre des points de vie de fumer. Ah bah merci. Ça c'est bon à voir. On sauvegarde, génial. J'ai l'impression que ça c'est un endroit qu'on a vu dans Half-Life, non? Ok.
Ouais, il y a ça. Est-ce qu'on va attirer des ennemis là? Ok, venez, venez. Oh. Ouais, même si je les amène là, je vais pas pouvoir. Viens là. Genre, tu comptes quoi. Mais comment je l'ai tué lui là? Ah! Ah! J'en ai droit à combien? Autant que je veux, mais ça donne les points de vie deux par deux, donc... Alors ça, est-ce que ça fait exploser le mur? Non? Ouais. Oula. J'avais le pistolet, mais j'avais le shotgun. Enfin, je l'ai vu dès que j'ai tiré la première fois, mais. Ah. Ah, caméra qui fait flipper. Ah, je peux interagir? Ah, je savais pas. Bon, ça sert à rien, mais. Je peux le faire. Ouh, mes points de vie. J'étais à 37 points de vie. Code. Non. J'ai attendu un petit peu pour voir s'il y a des gars qui se rapprochaient. Je crois que j'en ai un autre. Un peu de platforming là ou c'est juste un... Plein la tête. J'ai pas de grenade. Pourquoi j'ai pas de grenade? Ce serait excellent sur ces groupes. Ah, elle s'est coincée dedans. On garde. Oula. Ok, je crois que je peux pas la voir. Donc, on va passer comme ça. Censé l'avoir. Ah, je peux l'avoir. Ok. Et sauvegarde. C'est ramassé quoi? C'est je peux le rapprocher. Ah, ah non, je dois faire le... D'accord. Le pont. Ouais, je pense que c'est bon. Tourne en arrière. Je vais voir, c'est le gars avec ce pistolet là. Oh. Eh, je vais virer ça, son arme de la main. Alors, je...
crois que je me suis un peu perdu là, parce que je pensais retrouver. L'endroit où j'étais avec le pont et tout. Ah non, c'est bien là, c'est juste qu'il y a des ennemis qui ont dû passer par. Oh. Non! Trop de points de vie là. Cours! J'espère qu'il y a un checkpoint là-bas. Ah, merci pour les points de vie. Ok, ça c'est bon. De l'autre côté, il y a quoi? J'ai déjà lu. C'est littéralement celui que j'ai lu avant ou c'est juste le même livre mais placé ailleurs. Oula. On va voir ce qu'il y a là. Je crois que c'est là qu'il y a eu quelques soucis. Là, c'est une bonne idée de servir de medkit à côté de trucs radioactifs, mais... Est-ce que... Non, okay. Je voulais voir si ça ne brillait qu'avec la lumière de ma torche. Dans les égouts. Sauvegarde, c'est sur le côté. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la petite découverte. Oh oh. Bon, un peu overkill avec le shotgun pour les rats, mais bon. Ouais, donc c'est un jeu qui me rappelle vraiment Portal et Half-Life et un peu de Portal sur les drones et surtout le petit bruit que ça fait. Même si c'est un petit peu plus discret, on va dire, le côté humour. Mais le côté Half-Life, lui, est vraiment là, en tout cas, le premier. Hop. Le jeu se joue tout seul. Ah, c'est ce type de... Oula! Le jeu se joue tout seul. Il est fun. La maniabilité est vraiment bien faite. Le shooting est correct. J'ai pas problème avec ça. J'aimerais quand même plus de variété côté ennemi. Parce que bon, on en a vu quoi? On en a vu deux pour le moment. Ça, c'est pas incroyable. Mais voilà, l'ambiance est là. Non, on est dans un laboratoire avec un problème, je suppose, nucléaire qui s'est échappé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un petit jeu sympa, rien de spécial en fait. Voilà, ce que j'essaye de dire, c'est un jeu sur lequel vous allez sur lequel vous allez probablement passer un bon moment. Ah bah tiens, je parlais de nouveaux types d'ennemis. Et ça, ça m'a l'air de me rappeler d'une scène de Half-Life là ou de Black Mesa, je me rappelle plus. Ce couloir. Où est-ce que... Ah. Bon, ce modèle, il est un peu bizarre. Hein. Je dois avouer... Il est moins bon que les autres. Hein. J'ai plus l'impression d'avoir un prototype là qu'autre chose. Mais bon. Ouais, donc c'est un petit jeu sympathique qui ne va probablement pas vous rester en mémoire bien longtemps, je pense. Mais qui mérite quand même le coup d'œil si vous aimez les FPS et que vous êtes un peu nostalgique des Half-Life. Voilà. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.